Bonjour. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, très heureuse d'honorer mes ancêtres, d'honorer mes grands-pères, mes grands-mères, et d'être debout en vie devant vous aujourd'hui. J'ai prié, j'ai remercié le Créateur de m'avoir donné la vie, de m'avoir donné de savoir à être reconnaissante envers la vie. Et j'espère honorer la mémoire des femmes autochtones disparues et assassinées. Et surtout peut-être pouvoir soulager la douleur des femmes abusées, physiquement, psychologiquement, sexuellement. J'espère peut-être participer à la guérison de ces femmes qui ont été déshonorées. J'espère participer à la guérison de l'ensemble des Premières Nations et des peuples autochtones du Canada par la poésie et la prise de parole. Ce matin, je n'ai pas mis mes chaussures, je n'ai pas mis mes mocassins. J'ai mis mes chaussures de ville pour pouvoir vous parler et être dans vos souliers. Depuis que je suis petite, que j'ai oublié les mocassins et que j'ai commencé à mettre des chaussures de ville, que j'ai commencé à parler en français, au détriment de pouvoir parler ma langue maternelle couramment. Parce qu'il fallait apprendre le français pour survivre en ville, en milieu urbain. Et de plus en plus, c'est quelque chose qui fait partie de la réalité de notre jeunesse. Les jeunes doivent sortir des réserves, parce qu'il n'y a pas d'avenir dans une réserve. Et ça a été créé il y a 200 ans, ça existe encore, en 2015. Je suis sortie de ma réserve parce que j'en pouvais plus. Je ne pouvais pas supporter la douleur. Ma mère avait fait en sorte qu'on aille vivre à Baie-Comeau parce que pour elle, c'était insupportable déjà.
Je me souviens qu'elle m'avait dit, peut-être qu'elle n'a pas dit comme ça, mais qu'elle voulait me sauver de ses conditions de vie, de ses conditions sociales, sociales. Et maintenant que j'ai appris mon histoire, que j'ai appris l'histoire des Premières Nations, que j'ai appris l'histoire de la résistance des Premières Nations ici au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord, partout dans les Amériques et maintenant partout dans le monde. Maintenant que j'ai appris ça, j'ai compris que tous les démons que j'avais à l'intérieur de moi, je n'avais pas à les affronter. Il fallait que je les guérisse. Il fallait que je leur parle. Et j'ai pardonné à ma mère et à ma grand-mère pour ce qu'elles m'ont transmis de blessures intergénérationnelles. J'ai travaillé sur ces blessures-là pour être capable d'avancer, le front comme un delta, devant l'adversité, dans la société dominante. Ce n'est pas la chose la plus facile au monde. C'est beaucoup de sacrifices. Mais je donne ma vie à prendre la parole pour ceux qui ne sont pas capables de la prendre, qui ne maîtrisent pas le français, qui ne savent pas écrire en français, et que personne n'est capable d'interpréter de l'ino au français du mieux possible pour que ceux qui parlent en français comprennent enfin les réalités, les enjeux des peuples autochtones du Québec et du Canada, mais comprennent surtout la mentalité, puis que les mentalités ne sont pas les mêmes. J'ai amené ces mocassins-là pour inviter mes ancêtres à m'accompagner dans mon chemin, parce que je ne l'aimais plus de toute façon. Mais si elles sont vides, c'est peut-être pour quelque chose. C'est peut-être pour une autre présence, autre que la mienne. Je vais vous présenter un texte que je fais depuis 3 ans. Je l'ai écrit 6 mois avant le mouvement « I don't know more ». J'avais reçu une vision, j'avais vu que les peuples, que les personnes dans les communautés, dans les réserves, se levaient du jour au lendemain, se rassemblaient pour la première fois depuis des centaines d'années avec des tambours, des chants traditionnels, des plumes et des habits traditionnels pour la première fois depuis 500 ans avec une fierté sans égale et une fierté qui combat présentement le racisme et la discrimination qui sont présentes partout au Canada et en Amérique. Et j'ai écrit ce texte-là parce que je voulais, si j'allais pouvoir le faire par la suite, peut-être donner cette idée-là aux gens, à mon peuple, aux gens de ma génération. Et finalement, c'était un mouvement qui se passait au même moment. C'était une énergie que j'avais peut-être captée et qui maintenant m'a portée jusqu'à vous ce matin. Vous allez voir bientôt. Tous les jeunes qui ne sont pas encore sortis des réserves, mais qui sont en train d'y penser. Ils sont beaucoup plus qu'une seule personne qui est devant vous aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus que vous l'imaginez, avec une force surnaturelle. La force, la puissance surnaturelle d'un peuple avec une diversité incroyable, d'un peuple qui a survécu à tous les abus possibles qu'un peuple peut supporter. Et nous devons discuter à partir de maintenant. Nous devons gratter les peaux que l'on va s'échanger pour ne pas se donner, se transmettre des imperfections de mentalité, de parole, d'échange. Et c'est ce que je vais faire. Qui es-tu?
Pourquoi me demandes-tu d'où je viens quand c'est toi-même qui m'as désarmé de mes armes de chasse? Territoire, territère, territère, terriram, terram, terripaguez-moi la vie, l'existence, entre les lignes de ma sale ignorance sur mes propres terres. Territoire, moi la preuve que t'en connais plus que moi-même, enterre-toi les épreuves de mon holocauste et de mes derniers vestiges territoriaux. Fais-toi des bibliothèques, des archives sur le prologue, préface-toi l'oralité de ma mémoire, la territorialité de ma langue pendue aux dernières cimes identitaires. Alors ne t'étonne pas si je te rappelle que je me souviens, je me souviendrai à l'évidence. Toi-même, tu te caches en regard fuyant les loups de ma colère. L'ignorance est funèbre. Où est la différence? Je suis zèbre de langue et de couleur de peau. Je suis blanche l'hiver et brune la terre. Je me mêle la terre et le ciel, sans scinder en deux brises rive frêle, couchée sur l'éternel éther délibéré. Je les aurais faites miennes, ces cavernes aux mains soufflées de jouvence. Mais voici, on vit mieux sur tes villes que sur tes réserves, mon peuple surpeuplé en ses propres demeures, délabrés villages renfermés. Quoi? Tu te prends pour le castor avec tes barrages. Tu te prends pour l'orage pour détourner les rivières. Cesse donc de te croire maître des étendues sauvages et reconnais donc notre existence. Car plus rien n'existera. Plus rien n'existera pour ta propre descendance. Combien de fois dois-je te le dire? Combien de fois dois-je le hurler? Combien de fois te l'écrire? Je survivrai. Je survivrai parce que je dois me battre pour enfin entendre le battement de nos cœurs remplis d'espoir, le battement de nos tambours venus de notre temps. Ne regardons plus en arrière, mais regardons en avant cependant. Je me dois dénoncer les grattoirs à peau qui liment la résistance de mes frères. Au nord de ma famine, mes barricades se feront revendication. Je ne suis pas une peau à vendre, une nation à suspendre sur le mur d'un salon, je te le dis tout de suite. Je ne resterai pas une crise d'Oka, enfermé dans un livre d'histoire, de toute façon. Et quand on nous regardera, on regardera un peuple uni et debout, fort de la force du tonnerre. Mes champs de paix seront la sève de ma survivance fière. Et quand on regardera un peuple uni et debout devant le feu sacré de l'aurore. Je ne resterai pas une crise d'Oka, enfermée dans un livre d'histoire, de toute façon. Et si tu dors, c'est parce que mes chants de paix auront été tes berceuses et la sève de ma survivance fière. Toi, si
À partir de maintenant, j'espère voir dans l'avenir de notre Québec, de notre Canada, une collaboration sincère et égale entre les Premières Nations et les Canadiens. J'espère voir au Québec, surtout, j'espère du Québec, qu'il sera en mesure de montrer l'exemple, de travailler en collaboration avec les Premières Nations du Québec. Si on y aurait pensé avant, il y aurait eu tous les chefs politiques autochtones qui seraient assis à ces tables aujourd'hui, si cette relation-là aurait vraiment été voulue. On dialoguerait avec les chefs, les représentants, les intervenants des Premières Nations du Québec. Il y a des gens qui travaillent déjà avec les Premières Nations, mais ce n'est pas assez. Vous savez tous peut-être ce qui s'est passé dans les derniers jours avec les allégations des femmes autochtones abusées à Val-d'Or par le corps policier. J'ai vu toutes sortes d'avis, de commentaires. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est simplement la manifestation de quelque chose qui est beaucoup plus décomposé, pourri, en dessous de tout ce qu'on a mis par-dessus les dossiers des Premières Nations et par-dessus l'histoire, par-dessus les réserves. Aujourd'hui, nous, on appelle ça des communautés. Mais selon la loi sur les Indiens, c'est des parcs à Indiens. On parlait de la relation entre le corps policier et les citoyens, entre le policier et la citoyenne. Mais si, selon la loi sur les Indiens, cette même citoyenne n'est pas une citoyenne canadienne et est considérée comme étant mineure, donc qui n'a pas droit à une réelle justice, qui n'a pas droit à de réels droits humains, selon la loi sur les Indiens. C'est une loi qui est toujours en vigueur, qui a été créée en 1875, mais qui est toujours en vigueur. Le racisme qui est toujours présent
est basée sur des préjugés qui sont basés sur des avantages qu'on aurait donnés aux Autochtones au Canada, selon la loi sur les Indiens. Mais c'est une loi qui nous tord le cou, qui nous empêche de respirer, qui nous empêche de nous épanouir, qui nous empêche presque de pouvoir concevoir notre propre éducation, notre propre philosophie traditionnelle, notre propre système politique. Mais c'est en train de craquer de partout. Comme je vous disais, les jeunes arrivent, la prochaine génération arrive, et eux ont beaucoup plus de connaissances que moi j'en ai maintenant. Ils ont beaucoup plus de discernement et de jugement que moi j'en ai eu il y a quelques années. Et c'est eux qui vont être capables, peut-être, selon le gouvernement canadien, d'abolir la loi sur les Indiens en la faisant craquer de partout, en la faisant s'effondrer. C'est de cette puissance-là dont je vous parle et de laquelle je suis très fière. Je suis une femme autochtone. Je suis descendante des peuples autochtones du Canada, de l'Amérique du Nord. Je suis héritière d'une mémoire qu'on a tenté d'éradiquer. Et on l'a presque fait. Je suis héritière des mémoires d'un pays qu'on a oublié. Ce pays, c'est le territoire physique. Et nous devons retourner à ce pays. Nous devons ensemble, nous partageons le même territoire, nous devons ensemble retourner à ces mémoires et les honorer en se souvenant sur quelle base le pays a été créé. Je vous souhaite d'entamer un dialogue avec les Premières Nations à partir d'aujourd'hui. Je vous souhaite la sincérité, l'authenticité et d'écouter la parole des Premières Nations. Sur ce bon colloque, bonne journée. Yamé. Merci. Attends. Ah, ok, c'est bon.